Le message s'adresse à la communauté internationale. Pablo Uva, chanteur ivoirien de reggae roots, appelle à plus de justice et d'impartialité dans les décisions des grands dirigeants du monde qui, bien souvent, touchent des millions d'individus sur notre planète. Engagé jusqu'au bout des ongles, l'artiste se veut néanmoins un apôtre de la paix et des libertés pour le peuple opprimé de Zion. Comme tout Rasta, c'est la liberté, la justice, l'égalité, l'amour. Aujourd'hui, on a un grand thème, l'indépendance. Parce que je pense que c'est un grand mot. Et quand on parle au niveau, au courant du siècle, on a vu que ce grand mot n'a pas eu de sens réel. Moi, je défends la vie. Parce que je pense que quand on nous a donné la vie, c'est pour la vivre. Et personne n'a le droit de supprimer cette vie. Dans son dernier album intitulé Indépendance, Pablo Uva aborde l'actualité internationale et africaine avec un regard critique. Mais il laisse surtout transparaître un optimisme aimable, voire spirituel, quant à l'avenir radieux du continent. Si on veut vraiment la justice, si on veut que les gens vivent, mais il faut qu'on leur rende leur liberté. Et quand on est libre, on a la considération de l'autre, on a la considération pour certains peuples, et on a aussi la valeur de cette vie-là qu'on veut vivre. C'est pour ça que j'aborde ce thème indépendance, parce que je veux simplement qu'on en débatte, qu'on en parle réellement. Parce que, on va dire, les Africains, pour moi, n'ont jamais été indépendants. Voilà, parce qu'ils marchent toujours au fouet. Ses influences musicales sont nombreuses, tirées généralement de la musique jamaïcaine pure, de Bob Marley ou encore Burning Spear. Pablo Uva garde cependant un style propre à lui et qui lui est très cher. Cette identité africaine, forte de la culture bété en Côte d'Ivoire, est une source d'inspiration inépuisable pour ce Rasta barbu. Some people think that they own everything, but still not if it is a shago. Freedom has never been given, freedom should be taken. So keep on fighting to be free one day. If you wait for this change, change will never, never come. This change will never, never, never come for our people. We've been left with no other option than Black Man Revolution from Zion.